Voilà, on a gagné 1-0. Encore une fois, c'est grâce à Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est incroyable, ce gars. C'est vrai que c'est la noisette la plus forte de la Terre. Franchement, c'est lui le roi de Paname. C'est lui le plus fort. C'est pas moi. Moi, je suis son petit. J'ai raté un péno. Voilà, vous pouvez me critiquer. J'accepte toutes les critiques. Mais voilà, après, moi, je suis Lionel Messi. Je suis pas Penaldo. Ça veut dire, je suis pas un grand spécialiste des pénaux, tu vois. Moi, je suis plus un spécialiste dans tout ce qui est escroquerie, mensonge, vol de ballon d'or, tout ça, mensonge envers l'État. Tu vois, maintenant, je suis vieux, t'as vu les titres que je gagne, les ballons d'or que je gagne, les trucs comme ça, c'est un peu de l'arnaque. Donc voilà, là, ça s'est vu. J'ai raté mon péno, j'ai perdu mon slip. Voilà, normalement, je suis un joueur expérimenté, j'ai l'expérience des grands matchs, je dois avoir un mental d'acier, mais non. C'est Mbappé qui supporte la pression. Moi, c'est bon, je crois que j'ai fait mon temps. Donc voilà, c'est fini, on a gagné, ça va, c'est le principal. Mais je suis désolé, j'ai foutu le seum à tout le monde et tout. À cause de moi, il y a des Parisiens qui ont fait des arrêts cardiaques devant leur télé, je les ai dégoûtés du football. J'en suis désolé, j'accepte toutes les insultes. Voilà, vous avez 48 heures pour m'insulter tous ensemble. Après, c'est bon, c'est terminé quand même, faut pas me lyncher, ça se fait pas, je suis un homme aussi, hein.